Eh bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Que du beau monde aujourd'hui, des grands compositeurs, les plus grands compositeurs, même avec les plus grands interprètes. Et pour commencer, le premier mouvement, Allegro con brio de la 25e symphonie de Mozart, symphonie en sol mineur, par l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam que dirige Joseph Krips. Thank you.
venez d'entendre le premier mouvement Allegro con brio de la symphonie numéro 25 en sol mineur de Wolfgang Amadeus Mozart. Et nous entendons tout de suite une œuvre de son neveu par alliance, ou de son cousin par alliance plutôt, Carl Maria von Weber. C'est le troisième mouvement Rondo Allegretto de son concerto pour clarinette numéro 1, opus 73 en fa mineur, par Philippe Kuper à la clarinette et l'orchestre de Bretagne sous la baguette de Claude Schnitzler. Thank you.
Vous venez d'entendre le troisième mouvement, Rondo Allegretto, du premier concerto pour clarinette et orchestre de Carl Maria von Weber. On remonte un petit peu le temps pour nous retrouver dans la première moitié du XVIIIe siècle avec le Wassermusik, musique pour l'eau, de Telemann. C'est un extrait de cette Wassermusik qui s'appelle Les Joyeux Marins. C'est une canarie, c'est une sorte de danse de l'époque, par le Musica Antiqua Köln que dirige Reinhard Goebel. Vous êtes toujours sur RVL 103.1 et après cette très courte canarie sous-titrée Les Joyeux Marins tirée de la Wassermusik de Telemann, je vous propose de rendre hommage à Karl Reinecke, compositeur allemand du 19e siècle. Il est né le 23 juin 1824, donc il y a aujourd'hui tout juste 2 siècles. Il est mort en mars 1910 et je vous propose donc de Karl Reinecke le troisième mouvement Allegro vivace de son concerto pour harpe en mi mineur opus 182 par Xavier de Maistre à la harpe, accompagné par l'Orchestre philharmonique de Rhénanie-Palatinat que dirige Hannu Lintu. Thank you.
Vous venez d'entendre le final du concerto pour harpe en mi mineur de Karl Reinecke, un petit peu plus connu probablement Antonio Vivaldi, avec une sonate pour deux violons et basse continue. C'est la sonate opus 1 numéro 6 en ré majeur, que je vous propose d'entendre dans son intégralité parce qu'elle n'est vraiment pas très très longue, elle fait moins de 7 minutes. Voici donc les quatre mouvements de cette sonate, successivement prélude, courante, adagio et allemande, par Enrico Gatti et son ensemble à Aurora. Thank you.
C'était l'intégralité de la sonate pour deux violons et basse continue, opus 1, numéro 6, en ré majeur de Antonio Vivaldi. Nous poursuivons avec le troisième mouvement, le finale, Allegro vivace, du concerto pour piano numéro 2 en fa mineur de Frédéric Chopin. Concerto numéro 2, mais qui en réalité a été écrit avant le premier, aussi curieux que ça puisse paraître. C'est François-René Duchâble qui nous l'interprète. Il est accompagné par l'orchestre du Capitole de Toulouse, placé sous la direction de Michel Plasson. Thank you.
C'était le final Allegro Vivace du deuxième concerto pour piano de Frédéric Chopin. Tout à l'heure, nous avons entendu Weber, qui était le grand modèle de Richard Wagner. Et bien, cette fois-ci, c'est Wagner que nous allons entendre dans un de ses opéras de jeunesse, l'un des trois opéras d'ailleurs qu'il avait un peu, peut-être pas renié, mais quasiment. C'est Das Liebesverbot, c'est son deuxième opéra après Les Fées et avant Rienzi. Voici l'ouverture de cet opéra, Das Liebesverbot, qui est une adaptation d'une pièce de Shakespeare. C'est encore dans un style d'ailleurs assez proche de celui de Weber. Et nous écoutons cette ouverture de Das Liebesverbot, La Défense d'Aimer, par l'orchestre de l'État de Bavière, sous la baguette de Wolfgang Zawalisch. Thank you.
Vous venez d'entendre l'ouverture de La Défense d'Aimer, Das Liebesverbot, l'un des tout premiers opéras de Richard Wagner. Voici maintenant une musique qui n'aurait certainement pas plu du tout à Richard Wagner. D'ailleurs, c'est la musique de George Gershwin. Voici Promenade, une petite pièce tout à fait délicieuse pour orchestre qui dure moins de 3 minutes. Promenade de George Gershwin, donc par l'Orchestre Symphonique de Dallas, que dirige Andrew Litton. Vous venez d'entendre la promenade de George Gershwin. Un peu de musique soviétique maintenant avec le deuxième mouvement, l'allegretto de la symphonie numéro 5 de Dmitri Chostakovitch. Cet allegretto particulièrement grinçant et ironique par l'orchestre symphonique de Berlin, placé sous la baguette de Kurt Sonderling. Thank you.
C'était le deuxième mouvement Allegretto de la cinquième symphonie de Dmitri Chostakovitch. Et pour conclure, un peu de musique viennoise avec À la chasse, une polka de Johann Strauss fils. Et c'est Manfred Honeck qui nous l'interprète à la tête de l'orchestre symphonique de Bamberg. C'est donc la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Ne changez pas de fréquence et restez avec nous pour la soirée. Je vous retrouve pour ma part dimanche prochain, même heure, même fréquence, toujours sur 103.1. D'ici là, portez-vous bien, pardon, et à dimanche.